greetings from us at My Media Prime Television, especially to televisions who are watching us live from the economic capital of the southwest region of Cameroon, Kumba. As we all know, this morning, final journey to eternity of late senator and paramount ruler of the Bafo Tipu in the southwest region of Cameroon continues, as we'll be telling you more. And that's equally what caught the attention of so many newspapers in the country today, where the nation paid the late senator who met yesterday. That was at the Yaounde Conference Center, where members of parliament and other dignitaries were there to pay their last respect to the fallen legend and hero. Let's go find out what the French newspapers have for their reader this morning with Audrey Saxa. Bonjour, Audrey. Bonjour à toi, Lacha Kingsley. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, et merci de nous retrouver pour la dernière édition de cette semaine. Le budget de l'État du Cameroun a été revalorisé, c'est du moins ce qu'on apprend dans le quotidien L'Économie ce matin, par lequel nous ouvrons notre exercice. Et le journal renseigne du fait que le président de la République, Paul Biya, a augmenté les possibilités de mobilisation des ressources à travers une ordonnance signée le 26 mai dernier, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Le dit texte porte exclusivement sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, notamment via l'article 49 qui a été modifié et complété. Le gouvernement est autorisé à négocier éventuellement, à conclure au cours de l'exercice 2021 à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'État ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels, des montants globaux respectifs de 350 milliards de francs CFA et 750 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on peut lire dans l'ordonnance présidentielle rapportée par le journal Économie ce matin. Et Singang en kiosque s'intéresse aux auditions au tribunal criminel spécial. Selon le tri hebdomadaire de Marie-Aubert, depuis des auditions au TCS relatives à la gestion des par certains ministres des finances allouées à la lutte contre le coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé a engagé une campagne de communication dans laquelle il fait dire que c'est le défunt secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé, Alim Hayatou, qui est auteur de la gabégie dans son département ministériel pour avoir signé tous les marchés. En tout cas, c'est ce que nous renseigne Essingang ce matin. L'opération Épervier, qui fait la grande une de Le Jour de Aman Mana ce matin, renseigne que la nouvelle audience du journaliste Amadou Vamulke, en prison depuis bientôt 5 ans sans qu'aucune condamnation a été renvoyée pour la 67e fois le 27 mai dernier, donc hier, par les juges du tribunal criminel spécial à défense de l'ex-directeur général de la radio-télévision publique camerounaise, accusé de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, avait prévu d'attaquer le rapport d'expertise affirmant que leur client a détourné les fonds au profit de la CRTV. Terminons avec Mutation, qui parle de budget d'investissement public. Mots croisés, c'est le titre que propose le journal. D'après lui, non maturation des projets, non paiement des décomptes, abandon des chantiers, les freins à la bonne exécution du BIP se reproduisent. Les crises sécuritaires et sanitaires salent l'addition. C'est ce qu'on retrouve dans Mutation ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tableaux dans la langue française. Place au tableau dans la langue anglaise avec toi, Lacha Kingsley. Thank you, Audrey Zax. Let's kickstart with La Réalité Plus newspaper this morning, which revisits the homage paid by the nation yesterday to the fallen hero. We are talking about the eldest member of parliament, Chief Senator V.E. Mokete, who died on April, and yesterday was the homage paid by members of the National Assembly, or members of the Senate, yesterday in Yaounde. That was at the Yaounde Conference Center, and he was raised to the Grand Cordon du Mérite Camerounais by the personal representative of the President of the Republic of Cameroon, Paul Atanganji,
who was there at the Yaoundé Conference Center. Let's continue with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is equally or still talking about the Bamenda Babaju stretch of rope. This time around, the paper says, stop the lies telling deplorable state of Bamenda Babaju stretch of rope. The editorial this morning is titled, stop the lies telling. The lies telling, which according to the newspaper, some government officials as well as the Minister of Public Works of Cameroon, Emmanuel Nganou Djoumissi, is not telling the truth regarding the such 35 or 37 stretch kilometer stretch of route linking the west region to the northwest region of Cameroon. We stay with the Guardian Post newspaper to talk about the Anglophone crisis. According to the paper, the Norwegian Refugee Center has ranked Cameroon or the Anglophone crisis in the northwest region, northwest and southwest regions of the country, as the second most neglected crisis in the whole world. You can get more details about the ranking as relayed by the Guardian Post newspaper. That was the substance of a report published recently by the Norwegian Refugee Center concerning the crisis in the northwest and southwest regions of the country. It is always in the tradition by the Norwegian Refugee Center to publish the 10 most neglected conflicts in the whole world. That's annual report, which focuses on 10 most neglected conflicts in the world. And this time around, Cameroon is occupying the second position with the Anglophone crisis as the second most neglected conflict in the world. We end with Emergence newspaper. Emergence newspaper this morning is interested in the strike action staged by staged by the population of the southwest region of the country. We are talking about Kumba in the main division of the southwest region. The population not happy with the continuous kidnapping of religious leaders in that part of the country. So they decided to stage a strike action, calling on those responsible for the continuous kidnapping of religious leaders in that part of the country to stop their activities. I know that men of God, they are neutral when it comes to what is happening in that part or in those part of the region. They're talking about the northwest and the southwest region of Cameroon. Cameroon Tribune on its part, the National Balingua Daily on its part, this morning is equally interested in the homage paid Chief Senator V.E. Mokete yesterday at the Yaoundé Conference Center. And that was in a ceremony which was chaired by the personal representative of the President of the Republic, Paul Atanganji, who was representing the head of state in that or at that ceremony. The 103-year-old senator and eldest member of the Senate, who died on April 10, 2021, was given parliamentary honors yesterday, May 27, 2021, at the Yaoundé Conference Center in the presence of the head of state representative, Territorial Administration Minister Paul Atanganji. The departed patriarch will be buried in his native Kumba tomorrow, Saturday, May 29, 2021. More details on page 7 of this edition of the National Balingua Daily, Cameroon Tribune. We are back in the studio, televiewers, to continue digging several layers beneath some of the striking headlines we got for you this morning. And we are welcoming Christian Jog, who is an active member of the PCRN political party of Honorable Kabara Libi. Bonjour, Christian. Bonjour, Lacha. Bonjour, Lacha. Bonjour, Audrey. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre panel. Ça faisait un moment désormais. Okay, today we are focusing on the life, the legacy of the paramount ruler of the Bafour people. We are talking about late Senator V.E. Mokete, who died at the age of 103. He was a traditional ruler of the Bafour people in Kumba, Meme Division
of the Southwest region. He was equally an industrialist, an economist. He has so many, a chain of business that many Cameroonians were employed, and they are still employed and putting food on their table, Christian Jok. Before I come back to you to ask you what you remember of the late senator, let's have some of his outing when he was alive, especially this one at the National Assembly or at the Senate, chastising those who are championing the fight in the northwest and southwest regions of the country, especially some government officials who are not, or whom, according to him, were or have not done enough to ensure that the conflict is resolved in the northwest and southwest regions of Cameroon. Let's find out if the video is ready. You are not honest. You are not honest. I don't mean that. You should think about it. If you don't want to present some of these judges and journals of information in the language which I can read, then you don't want me in the country. Then you don't want me. When I say it, I mean it. I'm crying. I think it's very wrong that we should continue like this thing in this country. People, when you do it and you ignore this question of language for the two English divisions, what do you think that you are making them to feel? What do you think? People that will not tell you honestly, then you regard them as inferior. Why should you not present the information to them in a way that they can understand? When the elections are to take place, we take the problem, the trouble to produce materials in languages which will be understood. We send things to the various people so that they can support us. That is the same thing. Why is it that we have to beg for a journal containing the good work of the government? We should beg that it should be also in English. Why should we beg? It's not even in the interest of the government that this type of policy should go on. It is wrong. When we unified, the tribune was produced in English and French. What is there? What is the difference? What is the trouble in our country? Thank you so much, Christian Tebon, our producer, for that very beautiful video of the fallen hero, the fallen legend, on the brief today. Christian Jok, I come back to you. Voyez-vous, le Fon Moukété était une icône. Fon Moukété était un symbole de l'histoire du Cameroun, voyez-vous. C'est un chef traditionnel, une mémoire pour le Cameroun qui s'en est allé. Je l'ai lu dans son livre paru en 2013, Mon Odyssée, Histoire de la réunification du Cameroun, même si je pense toujours qu'il ne nous a vraiment pas dit ce qui s'est passé à Fumbane, paix à son âme d'ailleurs, que sa mémoire repose en paix, mais je crois que lui étant proche du président de la République, ce discours-là, il sera allé un peu plus que ce qu'il a fait. Parce que lui, il avait la possibilité de rencontrer le président de la République, il avait la possibilité de discuter avec lui face à face, d'égal à égal, tout en lui disant, monsieur le président de la République, voici ce qui se passe, voici ce qui ne marche pas. Et j'ai comme l'impression que ça a été essentiellement superficiel. Si je voulais parler comme un langage camerounais, je voulais dire, mais si, if he did and the president did not take action because of some of his personal or special advisors. Non, je ne veux pas croire qu'il avait la même posture que le cardinal Christian Toumi, qui lui était un conseiller incompris. Or, lui, il avait essentiellement accès au président de la République, voyez-vous, pour les nominations, pour tout ce qui va avec. Vous savez bel et bien que pour nommer un premier ministre dans cette zone-là, c'est lui qui proposait. C'est connu de tout le monde. Il en fait partie des gens qui donnaient l'opportunité et même l'image du Peter Mafeni Musonge. On dit toujours que c'est lui qui l'a fait nommer, voyez-vous. Donc, s'il a cette possibilité de pouvoir discuter avec le président de la République, il pouvait mettre en place des éléments matériels efficaces qui permettaient effectivement de solder cette crise. Parce que lui, il la connaît. Lui, il l'a vécu. Il est acteur, n'est-ce pas, de cette réunification du Cameroun. Il a été là quand ça s'est écrit. Il sait effectivement où ça cloche.
il a été membre de ce gouvernement, de cette administration, voyez-vous, il sait effectivement que ça se passe. Et même, je vais aller plus loin, je vais percer effectivement l'abcès. Oui. Quand vous convoquez la notion de famille politique ou de famille en politique, quand vous allez dans ces régions du sud et ces autres, on ne se reconnaissait pas effectivement en lui. Qu'est-ce qu'il en a fait parfois? On disait qu'il a fait essentiellement peut-être pour sa famille, pour les bœufs, pour son village, et pas pour les autres. Ce qu'il fait qu'à un moment donné, on questionnait effectivement sa légitimité, on questionnait son désir à faire à ce que l'espace que ça puisse marcher. Il me semble aussi, si les informations que nous avons sont vérifiées, que ces Amazoniens et autres venaient le voir, lui à la maison, il a déjà dit, pour échanger avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit, effectivement? Comment n'a pas du haut de sa sagesse? Un chef doit recevoir tout le monde. Ce que je veux dire, du haut de sa sagesse, comment ce chef n'a pas pu stopper, n'est-ce pas, ce genre de choses? Bref, c'est un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir pour effectivement dire qu'à date, il aura servi le Cameroun, il aura servi le pays. C'est comme un goût d'inachevé parce qu'il aurait pu faire davantage. Parce qu'une fois qu'il a fait, excusez-moi, je vais un peu être un peu négatif, une fois qu'il a fait son show, comme il a fait au Parlement, non, c'est pas un show. What next? Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que vous connaissez ce qu'il a fait par la suite? Il me semble que non. Il a remercié le président et a dit regretter le fait que la marginalisation des anglophones soit aussi extrême. Mais justement, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que cela ne soit plus le cas? C'est la question que nous interrogeons, vous et moi, Audrey. C'est-à-dire, il vous dit, allez à Bouya, allez à Kumba, vous interrogez les populations. Moi, j'ai eu la chance d'être de ce côté-là. Oh, les populations ne se reconnaissent pas. On parle d'une famille qui imposerait son diktat sur les autres. Vous n'avez qu'à voir, papa était PCA de Camtel, il a démissionné, on a mis son fils à MTN, on a mis ainsi de suite. On n'a pas mis. Ils ont participé, on n'a pas mis. Oui, permettez-moi. MTN. Ce sont eux qui ont amené MTN. Oui, il y a des gens qui ont une certaine assise sociale, yes, au rang desquels lui, Sa Majesté, savoir de son État, paix à son âme d'ailleurs, nous, dans le pays, ça, nous perdons une grosse pointure, une grosse élite. Mais seulement, qu'est-ce qu'il en a fait pour bâtir effectivement ce que vous et moi nous questionnons aujourd'hui, la question, la problématique de l'unité nationale? Lui qui a été au cœur, lui qui savait ce qui se passe, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait mieux renseigné que lui. Après lui, le président de la République et le cardinal Christian Toumi, aujourd'hui tous sont en train de partir. On se demande s'ils vont nous laisser avec cette patate chaude. Je m'interroge, est-ce que le système permet à ce qu'ils soient entendus? Quand bien même ils veulent bien faire quelque chose, est-ce que le système permet? Est-ce que le système a les oreilles? Does the system have a listening ear to listen to what these people will say? Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de passer dans un média, qui peuvent appeler le président de la République, qui appellent le président de la République. Ça s'appelle en science politique les réseaux informels et parallèles. Yes. Qui écoute d'abord? Qui interroge d'abord? Je ne suis pas sûr que le président de la République prenne des décisions dans cette zone sans pouvoir écouter des gens comme celui-là. Quand vous avez parfois compris les discours du cardinal Christian Toumi, est-ce que le président de la République a la main libre pour prendre certaines décisions seules, sans toutefois consulter quelqu'un d'autre? Justement, au rang des personnes qu'on consultait, donc lui, le Tif Moukété, paix à son âme. Si vous avez écouté parfois... Lui, avant qu'il si y ait la voix d'autres personnes... Si vous avez écouté parfois le cardinal Christian Toumi, pour moi, qui était le véritable conseiller incompris du président de la République. Parce que le cardinal Toumi allait toujours à l'encontre de ce qui se faisait. Et ça nous permettait de saisir. Oh, il y a donc une certaine élite qui est proche du président de la République, ou qui était proche, donc, le défunt sénateur. On se demande comment, à quel niveau ça a-t-il échoué. Parce que moi, je le dis toujours, Christian, when cardinal Toumi died, many people still question cardinal Toumi dying without doing enough. Now Chief Moukété has died. Don't you think the problem might be the president of the Republic, not these patriarchs who are dying? Oui, justement, on ne s'est pas bien compris. Personne ne peut interroger le rôle du cardinal Christian Toumi. Tout le monde connaît comment il a bagarré à pouvoir pacifier, à pouvoir faire asseoir les gens sur la même table. Mais si les élites politiques, donc le sénateur Moukété, avaient suivi la démarche du cardinal Toumi, notamment la question de la All Anglophone Conference, elle se serait tenue et on aurait discuté. À quoi, effectivement, si vous avez suivi un peu l'ancien maire de Bouya, comment l'appeler, Ekema Patrick, quand Ekema Patrick parlait, il vous disait effectivement qu'il y a des gens qui bénéficient des prébendes de cette situation. Il y a des gens dont l'économie de cette guerre négative bénéficie. Il y a certaines élites dans cette région qui ne se prononce pas ou qui ne parle pas. Est-ce que vous avez cité le nom de Moukété? Non, je n'ai pas cité son nom. Pour dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont accès, qui ont la force,
effectivement, Fon Mouquet fait partie comme le sénateur Ndamdjoya. Le sultan Bombondia, il fait partie des gens dont le président voit au moins toutes les fois avec qui il discute. Ils n'ont pas besoin de le faire publiquement. Il sait où il peut lui dire et le contraindre pour lui dire voilà où on va. Le président de la République a les mains libres, il n'a pas les mains attachées. Ok, probably let's have a listen to this video that we have on the screen. Probably we'll come back to you. I don't know. Strangers come. Welcome, let us take a colonel through. The stance correct, I said, let us begin to talk. What has happened? Who has been involved in moving those colonels? Who do you think has been involved in making? If Colonel likes the same situation, he gives it a meeting. Who has done that? Are you not fooling? What I've come to think is that our libation should be like when you throw a coin up, face or back, it falls. We decide beforehand, two teams. The man will go to the side. If the head comes out, you go to that. You throw the coin. The head comes out as you go. That's what I said. Thank you, Christian Tebon. We are concluding the program this morning. Unfortunately, we could not have our team of correspondents who are already in Kumba, Meme division of the southwest region of the country due to some technical issues. We'll be taking them in a subsequent edition of our program. See our conclusive word, Christian Job. Oui, effectivement, je voudrais saluer la mémoire de ce patriarche. Et je veux bien croire que l'héritage qu'il a laissé ou qu'il a légué et qu'il a laissé ses véritables mémoires quelque part pour pouvoir nous permettre de juguler définitivement la crise, n'est-ce pas, historique que nous vivons depuis le 4 mars 1916 à date, parce que lui, il est un témoin de cette histoire. J'espère que ses successeurs vont nous sortir ces véritables papiers. Il a laissé un livre, non? Non, je dis encore, vous savez bel et bien que mon odyssée est complète, l'histoire de la réification. On ne dit pas l'étape, comment on est arrivé à Fomban. Okay. On ne dit pas quelles sont les étapes. Je voudrais vous chuter, saluer effectivement nos militants du côté de Limbé qui ont célébré hier les 4 ans du mouvement 11 millions de citoyens. Et je vous rassure, demain nous serons là-bas, okay, du côté de Limbé, pour échanger avec eux, discuter avec eux, voir dans quelle mesure on pourrait se réaménager, quitte à ce que le Parti Cameroun pour la réconciliation nationale puisse davantage s'installer dans la région du Sud-Ouest. Thank you so much for watching, televiewers. The program was produced by Christian Tebon, as usual. For presentation, we've been Audrey Zaksa and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye.